Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va Fou? Ça va très bien, toi Ça va très très bien. Aujourd'hui, podcast numéro 10. 10 Bon oh, anniversaire, le podcast. Belle. Il a déjà 10 ans. 10 fois. Non, ah, juste 10 fois. Il a 10 ah, fois. Putain, je croyais 10 ans, pardon. C'est le fois d'hiversaire. Ouais. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. stylé on a tenu plus, euh, la distance parce que pour l'instant on n'en a loupé aucun. Loupé aucun. Alors ça a été enfin, alors, parfois loupé, dur, mais ils sont peut-être nuls. Mais ça c'est pas ce qu'on veut dire. Voilà. Ils sont tout le temps sortis. On en était cas. là, on a tourné ouais. et ils sont sortis sur YouTube. Voilà. Aujourd'hui, pas mal de trucs au menu euh, de Magic, donc on va essayer de moins tchatcher sur chaque euh, truc pour éviter que ça dure 6h50 vous regardez 1h50 vite, mais ils ont menti encore mais une tu fois. Tu sais que quand on ne le dit pas, le podcast est court. Mmh. Et dès qu'on se dit, on est pressé, il faut pas que ça aille trop long non plus, les sujets sont vastes, on va faire court, mmh. ça met toujours un million d'années. Je oui. pense qu'on se On est con. Ah ouais Déjà. Un peu des deux, ouais. Déjà, déjà. Un petit peu des deux. Placé sous le signe de MH3, forcément, ce podcast, comme vous le voyez ici. Non, vous ne le voyez pas, vous parce le voyez que pas. y a trop de lumière. Et vous le voyez, regardez. Vous le voyez un petit peu. Voilà. Euh, J'en profite pour placer un petit big up euh, au sponsor, Playing by Magic Bazaar, code ValleyPel 2024 sur la boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient. Merci merci à vous, merci à tous. Et merci à UltimateGuard, lien d'affilée dans la description. Si vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient et ça leur montre que vous nous soutenez. Merci beaucoup. MH3, Merci justement, euh, bientôt dispo sur euh, labelcarte.fr, ouais. euh, pas sur labelcarte.fr, ouais. sur Voct, pardon, ouais. sur labelcarte, sur Voct, que vous pourrez retrouver, du coup, directement en description. Code labelcarte pour, justement, avoir 10 euros de réduction lors de votre premier achat si vous n'avez pas encore créé de compte euh, sur l'application. Et dès ce soir, dès vendredi, quand vous regardez des podcast ou à partir de vendredi régulièrement, on aura du MH3 sur Voct. Et voilà. voilà, ça fait plaisir. À noter que si vous regardez le podcast vendredi soir, on est en live sur Voct en direct, et c'est ouais. l'anniversaire des trois ans de Voct. Donc en plus de box-break incroyable sur des boosters de fou, vous avez aussi plein de giveaways, plein de plein de choses qui vont être mis en place par Voct pour récompenser la communauté. Exact. Donc, venez, vous avez 10 euros offerts en plus, ça fait plaisir. Ça régale on est parti, Au on se fait le, le petit sommaire. Euh, on va débriefer les APMH3. Ouais. Ensuite, on va s'intéresser à Nadu, bah, oui, le, le, le fameux pigeon symique. On en parlera notamment en décès et en moderne. Je ferai un mais à cool pas à ce euh, moment-là. On a euh, un petit euh, ban popper, un ban d'urgence qui est tombé. On parlera ensuite de la réservée de liste et de l'aspect collection lié à Magic. Euh, puis on finira par vous présenter le protour à venir, le protour euh, moderne Horizon 3, qui se déroulera à Amsterdam vous dira rapidement quand c'est où c'est oui et comment euh, suivre euh, cet événement-là on exact. commence par débriefer les APMH3 parce qu'on les a fait et on finit par un petit jeu et on finit par un petit mais jeu mais pas de moi euh, bien évidemment deux mois cette fois-ci et oui switch mais je vais piquer euh, vous, vous nous avez demandé de faire ce petit jeu à l'inverse donc oui, forcément bah oui. voilà APMH3 ouais alors euh, plein d'AP pour nous ouais. puisque du coup on a eu euh, la petite op euh, wizard merci encore à eux On vous à a ouvert des petits boosters et construit un deck d'AP on a eu l'AP streamer avec Wizard aussi, euh, où du coup on pouvait euh, tester un petit peu. Alors malheureusement... Moi, je me pas suis pu... fait sucrer l'AP streamer. <laughs> fait sucrer un peu l'AP ouais. euh, parce que ça a fini plus tôt que prévu, ouais. euh, mais j'ai pu faire du, du paquet scellé avec, et c'était cool. Et la vraie AP physique en boutique qu'on a pu faire. Euh, le samedi dernier, déjà Samedi dernier, le samedi 8 juin, dernier. dans notre boutique locale à Toulon, à La Tania, en face le de Tumillard. la gare Et euh, bah, c'était évidemment délicieux. Merci à La Tania de nous avoir accueillis. Et, ouais. et on a passé une délicieuse AP. Euh, on va peut-être raconter un petit peu ce qu'on a fait, ce qui s'est passé Oui. Euh, alors bah, pour la papier, puisque le reste, bah, vous pouvez le retrouver en vidéo, donc c'est assez simple. Fait. Pour la papier, c'était super cool. C'était trois rondes de BO3, du coup, euh, en format scellé, classique, hein, sur, sur du MH3. Le format est hyper sympa, déjà. Euh, en limité, euh, que ce soit en euh, scellé et en draft. En draft, j'en ai fait moi de mon côté à côté, mais je peux vous le dire, le format est vraiment délicieux. Je vous débrieferai sûrement ça après le, le Pro Tour, d'ailleurs, le, le format draft, euh, dans ce podcast. Et, euh, et ouais, je suis parti sur un Death Sky Energy, euh, mécanique que j'aime beaucoup, mais juste j'avais naturellement beaucoup de bonnes cartes bleues euh, dans mon pool euh, qui jouaient avec les énergies, donc c'était. Assez, euh, assez indiqué mais j'avais quand même d'autres options de build potentielles. je me rappelle pas tout ce que je pouvais faire mais c'était pas très clair sur sur quoi je pouvais partir et c'est bien. Alors pour les nouveaux joueurs, c'est pas très évident ouais. dans ce cas-là, mais pour les joueurs un peu plus expérimentés, c'est très satisfaisant parce que du coup, vous pouvez faire potentiellement deux decks ou en tout cas switcher, garder une couleur entre les deux. Et ça, c'est assez cool. Toi aussi, notamment, t'avais beaucoup d'options, euh, je crois. Exactement. Dans ton pool. et J'en je, parlerai après. Ouais. Yep. Euh Donc, ouais, j'ai fait un petit Jeska Energy. Synergie très sympa. Le deck de Mesopo aussi euh, était cool. Euh, bah, j'ai notamment rencontré un cas de ces soupes. Euh... et c'était pas le deck le plus cool. Joué par, euh, par Val Ouais, mais t'as pu faire un 4C Soup quand même. J'ai pu faire un 4C Soup, euh, mais qui était pas qui était pas très bon. Euh, mais j'avais un pool qui était bizarre, j'en parlerai après de mmh. pourquoi je suis allé sur 4C Soup. Ouais. Ce qui était probablement une mauvaise idée, mais qui se justifiait au vu de mon pool. C'est vrai, c'est vrai. On reviendra. Euh, J'ai affronté aussi un, un Abzan euh, Spoiler. Il y a eu ouais. juste énormément de bonnes rares. Mmh. Euh, et c'était euh, des matchs très très cool parce que avec énergie, en fait, les marqueurs que tu gagnes, tu vas t'en servir pour faire des effets plus tard. C'est comme si tu avais du mana, mais qui servait que à certaines capacités. Et, euh, ou à donner des capacités supplémentaires. Donc c'est assez satisfaisant au début. Gonfler son énergie et plus tard s'en servir, puis la rebuild, re, re servir et tout. T'as l'impression de jouer en espèce de, de jeu dans le jeu. Ouais. Et euh, c'est une mécanique qui est très cool à jouer, notamment en, en limité. Euh, et dernière game, j'ai affronté un, un adversaire qui jouait Ragdos, euh, Ragdos bonne carte. Voilà, okay. euh, mécanique un peu de drain de vie, un peu aristocrate, mais en Ragdos. Mm -hmm. Sacrifice qui trigger avec les jetons, euh, des bons anti-bêtes, euh, ou quoi. Voilà, voilà. Et c'était bien. Et c'était bien. T'as fini bien. premier de la paix en faisant victoires une euros. Ouais. Parce que donc, grâce au sympa. goal verrage, euh, j'ai atterri table 1 à la fin de la deuxième ronde. Oui. Et l'autre euh, personne en deux victoires et un draw. Et l'autre euh... personne, voilà, était table 2. On a tous les deux gagné le dernier match, mais comme j'étais légèrement devant lui, bah ça m'a fait. Ça m'a été devant. très utile dans mon départage personnel. Du coup, donc, ouais. donc ça me va aussi. Euh, moi j'ai trouvé MH3 euh, vachement bien vous savez que je fais beaucoup moins de limité que PL c'est pas forcément ma discipline de prédilection même si j'en faisais beaucoup avant quand je jouais en boutique et, euh, et ça m'a vraiment redonné un peu envie de faire du limité j'ai trouvé que comme le power était plus élevé ce que j'aime moins moi par rapport au construit c'est de me battre des fois avec du caca mmh. après c'est la valeur du limité et la puissance ouais. de ce format là c'est de tirer euh, partie de cartes qui sont souvent euh, faibles mmh. pardon, pour justement les transformer en synergie forte ouais. et c'est tout l'intérêt du draft mais dans l'ensemble des fois ça m'embête de me battre avec des vanilla et ce genre de, de cartes là. Et là ce que j'aime bien avec MH3 c'est quand même le limité est un peu power. Tu fais des choses qui sont puissantes, intéressantes, mmh. tu as des belles curves et tu vas résoudre des, des spells qui sont assez, euh, assez stylés. Donc, euh, donc déjà euh, ça m'a plutôt plu. J'ai ouvert un pool qui était très équilibré. C'est-à-dire que j'avais aucune bicolorité qui sortait vraiment du lot. Et en fait, j'avais pas de quoi prendre n'importe quelle bicolorité, assembler toutes mes cartes playable et avoir donc du coup 23 playables pour ensuite rajouter 17 terrains. Fait que mon build devait forcément euh, ou être un peu un power si je restais sur un bicolore ou alors euh, aller chercher euh, des euh, synergies tricolores ou quadricolores. En plus, MH3, je trouve, je trouve que c'est pas facile pour les débutants, c'est vraiment un truc qui récompense, un set qui récompense ceux qui savent déjà entre guillemets jouer en limité parce que en fait, euh, tes synergies elles sont pas poussées par des bicolorités mais elles sont poussées par des bicolorités à l'intérieur de tricolorités ouais. et es souvent récompensé à être bicolore à l'intérieur d'une tricolorité. En gros, tu as la synergie qui et en Témur, mm. mais qui n'existe que en Simic et en Grul, et par exemple, qui n'existe pas en isette. Ouais. Euh, à l'inverse, en Abzan, tu as toute la synergie Marqueur, et euh, tu vas avoir Marqueur Sacrifice en Orzhov, tu vas avoir euh, Marqueur Adapt en Golgari, mais tu vas avoir aussi euh, Marqueur Aura en Celesnia. Donc si ton build, si ton pool il est plus Abzan eh bien, ça sera plus facile pour toi d'aller sur une bicolorité que si ton pool, il est plus Temur Drazi ouais. parce que déjà, t'en as une qui est fermée. Pareil, toi, pour la tricolorité qui -Sky. englobe Jeskai, qui oui. englobe Énergie, euh, t'as les trois qui existent. Et après, à côté de ça, de manière isolée, t'as Ragdos Artifact qui, à mon avis, ne peut pas exister en scellé euh, parce que t'as probablement pas assez de playable, mais qui sera peut-être beaucoup mmh. plus fort en draft. Il faut ouvrir vraiment très précisément. Et divers gros trois. Donc, tu te retrouves avec trois bicolorités et deux bicolorités qui sont mmh. les archétypes poussés dans ton format de limité ouais. avec des sous-archétypes dans tes tricolorités. En vrai, c'est un, euh, un peu plus deep que juste 7 bon, bah, gold de là dans, dans un set normal ouais, bien de sûr. limité. Euh, tu as euh, 10 bicolorités et les 10 bicolorités ont un effet euh, mmh. synergique. Quoi. Mais en plus, notamment, il y a des croisements. J'ai vu des gens faire ça euh, style tu prends le, le côté rouge et le drazy. Ouais. qui est assez bas en termes de créatures ouais. c'est pas des gros ports l'utiliser dans et tu, un bon euh, Ross par exemple et tu l'utilises euh, bah, je l'ai vu dans un espèce de ragdos un peu sacrifice par exemple. parce qu'il y a des, euh, des Eldrazi qui euh, créent des tokens qui sacrifient qui pingent. et quand fait. tu lis ça avec le ragdos ça fait un espèce de deux en un Exactement. et ça marche extrêmement bien Exactement, et pure... ça ça récompense le joueur qui, euh, qui voit en fait euh, ah, les synergies dans les synergies et donc, tout ça fait que c'est un format qui est pas facile, mais qui est giga récompensant quand tu le comprends. Et quand tu joues tes parties à la table, que ton pool soit fort ou faible, tu mmh. prends du plaisir. Ouais. En plus de ça, les cartes qui sont vraiment très puissantes, ce n'est pas des rares ou des mythiques, donc tu te fais rarement écraser par des gros spoilers. Les cartes les plus puissantes, c'est des Unco. C'est mmh. notamment les Unco les qui vont euh, euh, déterminer un petit peu euh, bah, quel archétype tu vas jouer. Je pense à l'Unco Gru, le Eldrazi, qui a l'air complètement débile ouais. quand tu te la prends. De la puissance d'unité. C'est très fort. Ouais. Et inversement, quand tu ouvres des cartes qui sont bonnes et du coup chères pour le construit, c'est un peu des cartes délimitées bof, tu vois. Genre, tu ouvres un Necrogoif, c'est un peu pourri. Euh... Ouais, c'est assez bien designé pour ça. Euh, Flash, qui est une des meilleures cartes euh, en Boros, c'est une... dur de la faire revenir. Ouais, mais c'est une des rares cartes qui est vraiment bien à la fois en construit et en limité. Alors, oui, et figure-toi que ben, moi je l'ai joué dans mon draft. Ouais. N'hésitez pas à aller voir la Rediff, il est super ce draft. Et le nombre de fois où il y a des bêtes qui ont quatre d'endurance, je me dis. C'est pas c'est malin. Bien parce sûr, que c'est soit plus bas, soit plus haut. Du coup, pile faire de la value en tuant un truc à 3. Après, dans les faits, t'as un anti pour 3 mana. Genre, qu'importe ce qui se passe après. Ouais, mais la plupart des anti pour 2 sont meilleurs. Oui, donc. Oui, oui, euh, parce que t'as pour 2, si je mets 4, et pour 1, je mets euh, 3. Ouais. Euh, sachant que tu peux stacker avec de l'énergie, tu peux faire beaucoup plus. Si t'as du mal à le faire revenir, typiquement, ou qu'il peut revenir qu'une fois, sachant qu'il y a 2-3 cartes d'exil ou. Ou juste des pacifismes, hein, ça marche souvent. Oui, c'est pas une bombe, c'est pas Dream Troller, c'est pas ouais. Ven Reaper, a pas même même imbattable comme tu peux avoir en standard. Mm. Et sur ça, c'est vachement stylé. Donc en gros, si ton pool il est pas euh, récompensant parce que t'as ouvert les mythiques, les meilleurs mythiques du set, les meilleurs rares, ouais. que t'as pas des nadus et que t'as pas la sensation d'avoir remboursé ton AP qui est quand même cher, mm. bah c'est pas grave, tu peux avoir un super bon pool juste avec des communes et... Ouais. Et, et des uncos. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Du coup, moi, dans mon build, tout était un peu équilibré, c'était difficile. La seule bicolorité que je pouvais assembler, mais qui était vraiment low power, c'était Simic Eldrazi, où j'avais seulement la rampe et les payoffs, mais j'avais pas trop de liens de milieu de partie. Je me suis dit, si je pars sur ça, je vais me faire éclater. Mon build n'est pas assez fort en termes de power mmh. level. Donc, je suis parti sur une base mardue, qui peut exister parce que t'as un peu de, de stratégie boros avec de l'énergie qui permet de bourrer. Et en même temps, t'as quelques artefacts que tu peux raccrocher à Ragdos. Euh, qui vont te permettre de jouer des cartes qui vont trigger avec le fait d'avoir des artefacts ouais. et en plus de l'autre côté ça se regroupe en hors parce que tu as des effets qui permettent de sacrifier des bêtes qui ne sont pas forcément intéressantes sur ton champ de bataille pour pouvoir aller faire des effets je me suis dit bon je vais tester cette soupe là euh, je vais splasher euh, rapidement du vert avec les 3-3 adaptes pour deux mm. et euh, si jamais j'arrive à curver bah franchement j'ai un deck qui est beaucoup plus power que mon Simical Drazi par contre qui a une mana base éclatée au sol parce ouais. que bah, euh, tes terrains quand tu veux fetcher des couleurs ils arrivent engagés donc je me suis dit, si jamais ma mana base elle tient, il vaut mieux que je joue cette espèce de soupe avec plein de bonnes cartes dans une stratégie agressive, un synergies. peu et tout, euh, plutôt que de jouer Simikel Drazi, dans les l'effet première ronde je t'affronte toi, et franchement j'ai pas joué à Magic quoi. Ouais c'était dur, Bah surtout la 2 où tu galères en lande. De... Ouais, j'ai pas joué à Magic, à la 1 je trouve pas ma couleur, et à la 2 je trouve pas mes landes, mm. et direct j'ai monté Simikel Drazi, et même si mon deck était pas power, mm. bah j'ai juste joué à Magic, et du coup j'ai gagné mes deux, autres, mes deux autres games. Ouais, bien joué. Si comme... Tu fais de finir troisième. Ouais, tu si te fais finir. Pardon. Mais en fait, comme tu es ma seule défaite et que t'as gagné le tournoi, mmh. je finis troisième parce que je crois qu'il y avait d'autres gars qui étaient à deux victoires et une défaite. Au moins. Euh, euh... Oui, ça a dû jouer sur le classement. Ouais. Donc voilà, ouais, ça m'a permis de, de finir troisième, mais surtout d'avoir passé un bon moment. Et ça, et ça oui. fait plaisir. Mais bah, toutes les synergies, c'est vrai que c'est rare les formats. Euh, en même temps en standard, c'est plus dur de développer des trucs comme ça, mais. Les formats au limité où tu as vraiment plein de synergies, de sous-archétypes, d'archétypes cachés. Ouais, de synergies croisées. Franchement, genre, euh, monter le build, c'est pas évident. Toi. Euh, en draft, j'ai affronté un type qui jouait Dimir Energy. Ouais. En fait, il jouait Dimir euh, Draw 3. Ouais. Euh, avec un sous-thème Énergie parce qu'il avait la rare, euh, le cauchemar euh, octonien. Ouais. Tu vois, le truc. Euh, ouais, ouais, je vois très bien. Recurring Nightmare, mais en, en Énergie. Et en fait, il avait quelques cartes qui utilisaient l'énergie. Ça. Et il faisait de la value en le reprenant, en réanimant des trucs qui coûtent moins cher que l'énergie que ça lui fait gagner. Mmh. Donc, il pouvait de plus en plus réanimer des gros trucs. Et à chaque fois, il se servait de ces faits qui reviennent tout seul sur le draw 3. Ouais. pour pouvoir les ressacrifier. Re C'était des... okay. ouais. hyper stylé parce que ouais. je me dis il a fait un archétype autour d'une rare. Mais c'est un archétype, c'est il... un vrai deck. Je pense qu'en draft, MH3 mmh. va être tellement deep, ça va ouais, être tellement fou. incroyable mmh. ce que tu vas pouvoir faire. Bah, déjà, en scellé, voilà, je trouve que juste 10 milliards draw 3, c'est très dur à assembler, ouais. sauf pack vraiment bien particulier. Euh, là où c'est quand même plus simple de te retrouver dans une tricolorité que dans une bicolorité. En draft, je pense qu'il va y avoir des trucs assez sweet, même Ragdos un peu affinité. Ouais. Euh, pareil, en SILD, vraiment Ragdos, faut à moins d'ouvrir un pack qui est un peu, un peu débile. Ouais. Ça, ouais, me paraît, ça me paraît complexe, alors qu'en draft, ça va être vraiment bien. Donc, euh, non, non, euh, pour l'instant, et de tous les retours qu'on a vus un peu sur Twitter et compagnie... Ah, c'est unanime, euh, franchement. Je crois qu'elle banger pour l'instant. Ouais. C'est incroyable. Ouais ouais. Bah pour dire, je pense que tu pourrais te laisser tenter par un petit draft sur Arena. Ouais ouais, je pourrais, je pourrais même drafter MH3 alors que c'est pas trop, pas trop ma cam habituellement. Non hein. non, c'est juste très réussi, très très profond, très intelligent. Ça sort un peu des sentiers battus. Trop bien. Jouez à MH3, faites des drafts sur Arena, vous allez voir, c'est délicieux. Régalez-vous. Régalez -vous, régalez -vous. Mais regardez de, avant euh, des petites vidéos pour savoir un ouais. peu euh, quels sont Alors, les archétypes. Quoi. Maintenant, tu as un truc bien sur Arena, euh, sur l'écran, avant de lancer le draft, tu as les 10 euh, les bicolorités, on va dire, poussées euh, et expliquées okay. Donc ça va un peu moins loin que ce qu'on a dit là, par exemple. Ouais. Mais au moins, tu sais euh, ce que chaque truc fait. Okay. Donc ça t'aide un peu. Okay. Tu as une vidéo de, de Thierry qui, ré, qui résume très bien ça, et mmh. euh, de Magic Séchique. Donc avec Grand Boa et Magic Séchique en collab avec euh, Guillaume Gauthier, qui sont de très bonnes vidéos pour mmh. vous expliquer tout ça de manière un peu plus pointue. Yep. Euh, parlons de Nadu. Ouais. Nadu, Nadu, qu'est-ce qu'il fait, Nadu Il fait ouais, des choses, tu hein Tu vas pouvoir nous en parler. Hein. Nadu en euh, DC et Nadu en moderne. Alors, Nadu en DC, en Duel Commander, il y a ma vidéo débrief, parce que j'ai fait un tournoi avec euh, récemment. Le seul tournoi que je pouvais faire en mois de juin, d'ailleurs. Et, je pense, le seul tournoi que j'aurais pu faire avec Nadu légal, puisqu'à mon avis, le oiseau, ça va dégager. Je vous laisse aller voir mon débrief si ça vous intéresse. Euh, je vous donne la déclise que j'ai jouée... Euh, comment fonctionne la combo, etc. Enfin, les combos avec Nadu. Mais en gros, vous allez mettre tous les landes de votre deck en jeu, faire énormément de tokens de créatures, piocher tout votre deck, puis donner la célérité euh, aux milliards de bêtes que vous créez et adversaire. En gros, c'est ça la combo. Tu, tu avec Final ou pas du tout ah, Avec Final, ouais, ouais. Pour donner la célérité. Il okay. euh, y a d'autres kills potentiellement euh, combo, mais c'est une vraie indépendante. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je vais aller voir ça si ça vous intéresse. Et euh, je vais vous résumer euh, simplement en une game que j'ai faite. J'ai fait Dork, donc un Alpha Mana tour 1, Nadu tour 2, tour 3, Choukou à la main, parce que je l'avais dans la main, combo, j'ai gagné. Et j'ai des contres, au cas où. Ça avait l'air bien. C'était un peu débile. Après, quand je pars en combo, je sais pas si je vais gagner, parce qu'il faut ouais. trouver certains trucs, mais dès que tu trouves deux 3 Kimchi, c'est parti. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh... Après, et tu euh... trouves d'autres bêtes à faire. Ouais, c'est tour 3 ou tour 4, je sais plus si j'ai dû recaster Nadu une fois. mais euh... bah, En tout cas, tu peux le faire, la, la boucle tour 3. Oh, tous les fait. cas, tour 3, ou 4, fin, tour 3, je pouvais partir tout pareil ouais. que tour 4 au pire. De toute façon, tous les gens qui ont joué Nadu On dit mmh. c'est simple, c'est proactivement trop puissant et ouais. de manière réactive trop dur à disrupter. Bah ouais. Donc, euh, je veux dire, en fait, on va te dire bah, il faut interagir avec Nadu. Mais si tu interagis avec Nadu, mmh. il se recaste tout seul. Puisqu'il bah... t'a donné la value pour se recaster quasiment. Souvent, oui. Il t'aide à creuser en tout cas dans le trop Donc c'est trop grave. Tu joues très peu de cartes qui sont mauvaises. Mm. La plupart des cartes qui vont synergiser avec lui, tu peux les tutoriser. Ouais. Notamment euh, Majobroloc ou Erza Saga pour trouver un Chuco. Bah, t'as que des tutors à créatures ou artefacts. C'est ça. Et en plus, cibler tes cartes, ça marche avec beaucoup de bonnes cartes simiques qui sont mm. pas des cartes qui servent qu'à la combo. Ouais, ouais. Donc euh, ça a pas traîné quoi. Ça ne va pas traîner, je pense que ça va dégager, notamment euh, avant de parler un petit peu du moderne, enfin je pense que c'est toi qui vas en parler un peu ouais. plus, euh, le comité le, de duel commander a fait une petite annonce récemment. Alors j'ai les grandes lignes, je ne suis pas allé la lire, donc je ne sais pas s'il y a de spécificités autres que ça, mais le gros, euh, c'est tout simplement que maintenant, tous les lundis, il peut y avoir une annonce euh, du comité. Ils gardent leur rythme de euh, une tous les deux mois actuellement, c'est ça, mmh. euh, de grosses annonces, même quand pour dire qu'il n'y a rien qui se passe, il y a une annonce tous les deux mois. Et tous les lundis peut potentiellement y avoir un petit truc en plus euh, s'il y a besoin, notamment en cas d'urgence, parce que je rappelle que le comité ne sait pas les cartes qui sortent et laisse toujours les cartes vivre pour voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que laisser les cartes vivre sur des tournois euh, qui coûtent quand même des sous où il y a euh, maintenant régulièrement entre 60 et 120 joueurs dans plein de régions de France, surtout mmh. avec le, le circuit compétitif pour le, le championnat de France. Et eh bien forcément, euh, si jamais tu laisses deux mois vivre une carte, si elle sort juste après une annonce, ça peut être problématique. Si genre elle shape tout ton format. Ouais. Parce que les gens n'ont pas forcément les moyens de changer de deck, euh, adapter leur deck, euh, acheter le nouveau deck qui vient de sortir, surtout s'il si se fait ban. Surtout si c'est pas adaptable en fait. Ou des fois c'est pas adaptable, oui. Euh, du coup, maintenant tous les lundis, et ça prend effet à partir du lundi 17 juin. Donc, je suppose qu'à partir de lundi 17 juin, on aura une petite annonce. Et si ce n'est pas le 17, ce sera, à mon avis, le 24. Euh, avis, ça dépend des gros tournois si, qu'il y aura. Eu ils entre. sont sûrs de faire partir Nadu. il faut le faire partir le plus tôt possible pour laisser les, le temps aux gens de ouais. se retourner pour notamment la CDF ouais. de, de Duel Commander. Et en vrai, euh, j'ai souvent argumenté sur le fait que les gens étaient un peu paresseux en Duel Commander. Dès mmh. qu'une carte était trop puissante, ils demandaient le ban et ils ne cherchaient pas forcément... À essayer de battre la carte et que je préfère toujours attendre d'avoir de la data pour voir entre guillemets à quel point un deck est problématique plutôt que ouais. de le ban de base. On, on s'en assure quoi. Mais quand une carte elle est ouvertement broken et je trouve que Nadu par exemple c'est pas le même cas que Eris mm. qui aurait pu exister peut-être encore un tout petit peu euh, parce que ok 26% de conversion, 13% de représentation du format ça avait l'air fort. Je pense qu'on peut aller se battre. All Finger a un meilleur win rate dans le format, il est toujours là juste parce que les gens ne jouent pas trop. Parce qu'il est que... absent euh, à l'étranger notamment. Euh, oui voilà. Et très peu joué en France. Oui, mais c'est le deck qui a le meilleur win rate du format. Théoriquement, ouais. si le format était très compétitif, le deck n'existerait plus. Mais c'est pas trop le sujet. C'est juste que moi, j'argumente souvent sur le fait que, attendons, essayons de battre les cartes avant de les bannir. Mm. Là, c'est quand même ouvertement broken. Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'arguments oui. pour se rendre compte que ça va trop loin. Et auquel cas, moi, je ne suis pas non plus pour que les formats soient pourris, tu vois. Ouais. En fait, c'est. Si Nadu le format, faites-le partir. Dès qu'un. C'est quand même beaucoup plus clair que Eric, je trouve. Oui, de bah, toute façon, c'est un peu écrit dessus, hein, mais dès qu'un nouveau commandant, un nouveau deck, euh, va euh, enlever plusieurs archétypes ouais. au format, c'est un problème. Ouais, mais Parce que je trouve que Nadu, à moins que tu joues combo toi aussi, je vois pas comment tu le bats. Ouais, bien bah sûr, mais c'est ça, c'est l'exemple de Nadu ou l'exemple de Diada, tu vois, ouais. euh, à un moment donné, c'est quand ça écrase deux archétypes sur, trois, euh, sur quatre, pardon. Je trouve que c'est problématique, après on peut un peu s'adapter voir. Ouais. Mais euh, si ça pop et tout de suite ça fait ça, c'est là où tu as envie que le format enfin euh, tu peux pas trop euh, Ouais mais ça peut tout popper. Un format tu vois comme Dada, ça a popé, ça avait l'air d'écraser certains archétypes, mais on attend. Ouais, ça a été long avant qu'on qu on se rende avant un peu de data et puis euh, et puis une fois qu'on a de la data, on prend un mmh. ban qui est justifié quoi. Ouais ouais. Franchement euh, Nadu c'est bah, Nadu, ça va plus vite qu'agro. Euh, ça bat contrôle parce que ça en a. En fait, il y a une différence forts. de polariser ton format, avoir de très bons et match ups les... et un beau taux de représentation ouais. et être ouvertement cassé. C'est pas la même chose, tu vois. Et je trouve que Nadu, c'est ouvertement broken. Oui, bah c'est. En fait. De manière non dissimulée. C'est mal phrasé, Nadu. Ouais, voilà. Par rapport au format. Quand tu sens que c'est. Euh, dans le design, il y a un problème. Mm. Et. J'avoue que dans cette justification-là, si le comité prenait la. La décision de le ban avant même que les gens aient pu le jouer, je ne serais pas choqué des masses pour Nadu quoi. Il y a déjà des petites perfs de Nadu euh, sur les tournois où c'était légal. Ouais. Euh, au moment où j'ai fait mon débrief, il y avait quatre euh, Nadu qui avaient fait des tops. Mais bon, c'était sur des petits nombres de joueurs, donc euh, c'est vraiment pertinent. Il y a aussi beaucoup de gens en fait qui euh, ne vont pas monter le deck. Genre je pense qu'il y a des, euh, des playgroups de jusqu'à euh, 20 personnes où il n'y aura pas de Nadu, parce ouais. qu'ils se disent en fait ça va partir. Ça sert à rien qu'on commence à build des decks et tout, surtout s'ils si n'ont pas oui, toutes les cartes. Mais admettons que ça ne parte pas Histoire à la de... CDF. Il y a combien de représentations de Nadu et il y a combien de Nadu dans le top Alors c'est un peu dur parce que euh, la CDF, il ah, y a une extension qui sort 10 jours avant. Je pense que c'est énorme. Ah, tu parles de Assassin's Creed Ouais. Donc euh, c'est dur de te dire maintenant, mais imaginons qu Creed n'existe pas ah, ou ouais. n'apporte rien en format en créature légendaire. le retrouver avec une Nadu, hein c'est pas idiot du tout vu le je... power level de la carte. Je pense que ouais, Nadu ce sera euh, très très puissant et ceux qui euh, vont teker pour euh, battre Nadu. On ne joue pas Nadu. Mais tu euh, bats Nadu comment avec Holding Finger Perdre. Euh, même pas, je crois. C'est 50-50 à mon avis, aussi, Finger, max. Bah, c'est celui qui combo avant, quoi. Ouais, mais Nadu, ça a des contres. Aussi Finger, ça a de la discard certes, ça en a pas mal, mais. Bah, ça peut juste la retarder, discard ça ne bat ça, pas la ça, pioche, ça quoi. Peut, ça peut retarder l'échéance, quoi. Mais ouais. Bon, ouais Sur un grand nombre de games, je pense que euh, c'est quand même derrière. Si demain, j'avais pas le droit de jouer Nadu et que je voulais battre Nadu. Plutôt qu'avoir mmh. un plan fer interactif, j'essaierais d'avoir un plan une fer. plan combo et... débile, ouais. ouais. Je pense que bah, c'est un peu ça. Après, mono rouge, ça a ses armes parce que ça tue très régulièrement d'ork tour 1. Et euh, tu peux l'agresser et le proposer l'étale assez rapidement. Parce okay. qu'en fait, dès que tu pas la combo en main et que tu dois passer par un tutor, c'est un tour de plus. Ouais, et ça. si tu t'es fait tuer elf, c'est deux tours de plus. Donc mono rouge, s'il si arrive à euh, okay. tuer ton d'ork et toi, tu pas la combo en main, c'est deux tours que tu lui laisses ça okay. peut être problématique Probablement. mais bon euh, si on se dit non mais ça va Mono Rouge bon adieu, ça quand même Nadu ça va pas quoi. Ouais. Donc, euh, donc à voir euh, ce qu'apporte mais si ouais, euh, ça n'existait pas à euh, creed je pense qu'il y aurait énormément de Nadu à la CDF mmh. en plus que c'est que des gens qui sont qualifiés donc c'est des gens qui, euh, qui n'ont pas de problème pour avoir les cartes normalement euh, en tout cas ils peuvent se les faire prêter oui, euh, oui. ils ont un certain niveau tu peux pas enfin euh, tu es sûr qu'il va y avoir énormément de Nadu à moins que quelqu'un a Secret Tech pour le battre Écoute, on, on verra bien. En vrai, euh, si jamais il laisse Nadu pour euh, euh, la CDF, ça serait cohérent. Tu vois, je ne serais pas non plus choqué de ça. Mais je, ça, un Emergency Ban pour cette carte-là me choque moins que pour d'autres cartes. Ouais. Voilà. Dans l'idée. Et maintenant, on va passer un petit peu à Nadu en moderne. Et bah, je vais devoir faire un mea culpa parce que je l'ai dit en vidéo plusieurs fois. Je ne pensais pas du tout que la carte était du power mmh. level du moderne. Tout simplement parce que c'est, entre guillemets, un body. Et que pour qu'un un bon body qui fait de la value soit. Euh, vraiment broken en moderne, surtout quand tu dois jouer des cartes, entre guillemets, mauvaises à côté pour synergiser avec, bah c'est quand même compliqué. Et en fait, dans les faits, c'est très facile de, de mettre un Shouko dans tes 75 et d'aller le chercher avec Urza Saga ouais. et de pas chercher à faire un deck qui est turbo-centré autour de Nadu, même s'il y en a, il y a quand même des, as deux versions de deck Nadu qui tournent un petit peu, des Simic Nadu qui sont très auto-centrés autour de faire n'importe quoi avec Nadu et OTK mmh. et des decks qui sont plutôt bande créature, bande value, où il se trouve qu'il y a Nadu, des Urza Saga et un Shouko pour pouvoir synergiser et, euh, euh, comment on appelle, euh, et des Stone Forge Mystique qui vont ouais. aussi chercher Shuko et Caldra Complete par exemple. Mmh. Et puis à côté de ça, euh, tu as un espèce de deck band avec euh, des, des bonnes cartes de Magic au global, plus mid-range. Et, euh, et, et bah, bah, ces résultats-là, pour l'instant, me donnent tort parce que Nadu a l'air d'exister en moderne. Ça n'a pas l'air de casser le format. Mais en tout cas, ça a l'air d'être assez fort pour exister. Ouais. Et je suis très heureux de me tromper, franchement. Et à voir dans quel tiers il finit. Et à voir dans quel tiers il finit. Est-ce que c'est mm. trop fort pour le format Est-ce que c'est juste bien Est-ce que c'est tiers 2 oh, Pour l'instant, ouais. aucune idée. Quoi. que moi, je pensais que c'était jouable sans avoir d'idée de build particulièrement. Mais euh, je me demandais si euh, ça pouvait se battre contre des spells gratuits. Tout simplement, un deck Nadu. Ouais. Parce que, moi, je pensais pas, justement. Euh, à part subtilité, euh, t'as pas grand chose que tu peux jouer. Il enfin, faudrait se lâcher potentiellement mettez un peu à la merci de, de ça et les gros decks style euh, Tron euh, ils n'en ont rien à foutre de ce que peut faire Nadu. Mais je pense que Tron en a rien à foutre de ce que peut faire Nadu. donc euh, je me je pense hein. donc euh, surtout avec les nouvelles cartes donc je me demandais est-ce que avec tout ce qu'il y a de nouveau autour <coughs> est-ce qu'ils peuvent quand même vivoter et ça a l'air d'être possible ouais. après ma vision du moderne elle est beaucoup moins euh comment dire aiguisé que ce qu'on va avoir comme vision sur le standard pour parier sur le power level des cartes donc forcément me tromper sur Nadu ça ne me surprend pas tellement mais moi mon argument à la base c'était que si tu veux jouer un jeu combo créature bah franchement je joue Yogmos. Yogmos, c'est un jeu combo créature oui. qui joue que des cartes puissantes et indépendantes et moi dans ma tête je me suis dit, putain les gens ils vont essayer de jouer avec Nadu donc un jeu combo créature en moderne mais en plus en jouant des cartes de merde à côté tu vois genre des choucots par exemple ouais, ouais. et je me dis pourquoi est-ce que tu jouerais Nadu et Choucou quand tu peux jouer Yogmos et mi-carte euh, et de, euh, du deck Yogmos. Et euh, dans les faits, ça a l'air d'être moins. Euh, tu peux jouer plus de cartes midrange et indépendantes dans Nadu aussi. Mmh. Ce qui fait que ça t'amène à du bleu que par exemple Yogmos n'a pas. Et ça a l'air d'être intéressant. Donc à voir. Moi je suis très curieux. On verra ça notamment au Protour Amsterdam. Ouais. Si les listes Nadu sont, sont puissantes. En, en plus, en vrai, clair. moi je suis très team euh, drop 3, Simic, craqué. Moi j'adore. Hein. Donc euh, même si je peux jouer Nadu en moderne. Je peux être client, tu vois. Donc, mmh. euh, donc ça me va. Ouais. Moi je suis deg qui soit si fort en DC. Parce que c'est un deck que j'aurais adoré jouer euh, oui. en mode quand même combo, mais euh, pas broken. Et tu et comme tu ça, peux quoi. pas le nerf parce que en vrai, même si la ligne de texte c'est que ça trigger qu'une fois par bête, mmh. c'est quand même broken. C'est quand même broken, mais c'est plus dur de combo. Euh, le vrai tu nerf. Peux pas combo, mais c'est juste giga value. Je pense que le design, c'est une fois par tour par créature et le nom arrive engagé. Ah ouais, et là C'est un super nerf Ouais, mais genre là c'est pas possible de jouer avec ça pour le DC, je pense. Ouais, ouais. Là c'est ouais, pas oui, possible de laisser ça, je pense, dans le format. Alors okay. si le land arrive tap, bah, ça te fait pas de la mana pour continuer à faire nimp. Ouais. Et si c'est qu'une seule fois par bête, tu peux quand même faire euh, ouais. un land drop, un token, je retrigger ouais. et partir un peu en combo. Mais toi t'as dit par bête et, et par tour. Dit. Donc tu fais land tap par bête et par tour. mais bah, par bête euh, genre pour chaque tour, ah, tu franchement... peux faire un trigger par bête. Ah d'accord. Pardon, je croyais que non. tu disais tu fais le trigger qu'une fois. Ah non dans non, c'est nul dis bon c'est pas ouf tu vois non non tu peux faire trigger avec toutes tes bêtes ok et du coup ouais, peut-être que bon les plans de jeu seraient pas en mode de turbo combo mais plutôt un peu voilà. swarm de board voilà, comme ça quand tu fais nadu avec ton équipement tu fais tout le tour genre et tu fais quand même full value mais ça te demande un setup ça prend trop fort Vras. tu vois c'est ouais. est-ce qu'une version équilibrée Mille, de nadu voire même trop faible c'est pas edric <laughs> bah, ça fait edric, pas la hein. même chose mais bon je pense qu'on pourrait des edric quoi ouais. en même temps déban pour qu'une carte n'existe pas au final pas forcément utile, ces arguments du comité. Euh, du mmh. comité. Pourquoi des bannes si c'est pas bien C'est mais... légal dans le 99, non Médric. Je, plus. je je pense. Ouais. Ouais. Oui, mais il n'y a pas de smic aggro, donc. Euh... Mais du coup, est-ce que euh, Nadu va être ban dans le 99 aussi Je crois que oui. Oh, je crois pas. Hein. Ah, ah ouais, euh... tu le bannirais Il y a quand même. Oui, c'est si pas si dur pas... d'assembler Nadu et Chouko. Ouais. Si tu le mets dans le 99, euh, je peux eh ben, mettre. Si j'étais le décès, je le ferais en demi-temps. Genre d'abord ban en DC Je le mettrais d'abord euh, ban commandant. en tant que commandant, mais je le bannirais pas dans le deck. Quand bien même il y a plein de gens qui essayent de monter des, des synergies chimiques agressives dans le format, tu vois. Je crois que je builderais. C'est euh... quoi sa maison, à part Lara Croft tu vois. Bah, Je builderais un Bant, moi. Euh, S'il y a des ouais. bons commandants Bant. Ou bah, où ce que je jouais, moi, j'aime toujours euh, Max, Ou 4C. De, Max Dustin. Ouais, ouais. 4C avec euh, à peu près le même deck en termes ouais. de combo et tout. Mais euh, au lieu d'avoir des tutoirs mauvais, bah, j'ai du noir pour aller chercher, j'ai du blanc pour avoir des bonnes gestes. Ah, donc toi tu jouerais en Max Eleven plutôt, pas de Dustin. Max 11 ouais. le noir plutôt que le blanc. C'est euh, noir blanc vert bleu, pas de rouge. Ah, tu peux pas. Il hein. n'y a pas de partenaires qui font ça si... oui. juste pour voir la ah, oui. couleur. Hein. Ah oui, tu t'en fous de jouer Max spécifiquement. Ouais, en ouais. gros, c'est Max Eleven ou Max Dustin et tu choisis entre le entre le noir et le blanc, mais parce que tu envie de jouer Max. Parce que tu vas faire d'org dans Max. Ah oui, ouais, non, là c'est ouais. genre. Euh... Ok, oui, toi, tu. Bah non, bah dans ce cas-là, tu peux jouer. Casser, euh, tu peux Nick, jouer quoi. Will et compagnie, quoi. Et deux partenaires et au cas où. D'accord, ok. Ouais, bah ça. Mais truc de méchant, Ça, pour le vrai méchant. Ça, pour le coup, je laisserai faire. Je laisserai les gens builder un truc comme ouais. ça. Moi, bon, je suis pas au comité et on a déjà passé je beaucoup trop de temps sur, ce... <rire> <rire> sur cette. En même temps, c'est vrai qu'une carte qui débarque euh... comme si de rien n'était. Ah, super, et, super euh... intéressant et stimulant. De... Provoque des trucs dans deux formats, c'est stimulant. Très intéressant. En parlant de ban il y a une petite carte qui a été déjà ban, hop là, donc je fais tomber mon téléphone, le bélier crânien. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé des bannes en popper. Euh, D'ailleurs, fun fact, ça fait un moment euh, que chaque podcast, on parle d'une carte ban. Pas toujours le même format, évidemment. Oui, c'est en même temps, il y a tellement de formats à Chaque fois, il y en a une. Ouais, vrai. Euh, et là, du coup, il y a eu un ban en popper préventif, au, le jour de la sortie. Je pensais qu'elle allait vivoter un peu, mais pas du tout. Le bélier crânien. Donc c'est pour Ragdos, de euh, toute façon, ça s'affiche à l'écran. Une euh, Un artefact équipement un vivante. donc ça crée une 0-0 attachée, qui a plus x plus 1, x étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. C'est un artefact, donc c'est plus 1 plus 1 minimum. Et ça s'équipe pour deux. Et ça, c'est la carte dont parlait Gavin Verre, euh, qui fait partie du comité du popper, et qui est le seul membre à avoir accès aux cartes en avance. Il ne peut pas dire, euh, faites pas ça pour le popper, mais il voit ce qui va se passer. Donc, ils peuvent un peu plus anticiper. Euh, et ça, ça ressemble à Blindage crânien. Ouais. Euh, bah, le nom, le design, tout, hein, c'est oh, la même chose. Même le, le skin. Un peu en alien, ça ressemble. Fait. Ouais, carrément, ouais. C'est la collab que j'attendais. Un peu déçu. Euh, un peu déçu. Tu pas mentir, Pas à ouais. ça, mais... euh, bah, En vrai, un peu déçu, c'est une carte qui était bonne tout de suite. C'est une bonne carte en vrai. une carte. Euh, parce que ça ressemblait ouais, du coup à blindage crânien. Et euh, il a parlé en mode Bon, on surveille parce que c'est quand même fort, mais on va voir le format a évolué. La carte n'a pas existé. Bon, en fait, c'est ban. J'ai pas regardé son débrief parce qu'il fait des articles assez longs, et vides, très intéressants, mais j'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Je voulais pas vous donner la moitié des infos, donc je me suis dit L'info euh, strict c'est Belly crânien, c'est banni, comme ils avaient dit. Et euh, le popper, du coup, maintenant on va voir comment il se transforme avec MH3. Il y a beaucoup de bonnes cartes. Ouais. Euh, le petit removal rouge, là dont on parlait, Galvanic. Galvanic. Euh, Galvanic pas, quelque chose. pas Blast, mais Galvanic quelque chose. Ouais. Galvanic quelque chose, qui est charge, discharge, un truc ouais. comme ça. Qui, très bien. Euh, qui rentre aussi en popper. Euh, plein d'autres euh, de cartes. J'ai pas regardé s'il y avait des downshift. Des charges galvaniques, intéressant. Ouais. Euh, parce que les unco ou les rares qui passent commun. C'est mmh. pas mal aussi pour le ouais, format. Bien sûr. Euh, mais, euh, mais ouais, à voir comment le format va devenir maintenant. En tout cas, il y a eu un ban instant de cette carte et au final quand j'avais un peu en build en tête les builds je me dis ouais ça aurait fini par dégager je pense un peu en fait ils viennent de bannir All That Glitter qui fait pas la même chose mais un peu ouais, non Donc mais si tu mets un nouveau truc qui en plus n'est pas une carte euh, dépendante parce que c'est une bête non mais ça, ça pas paraît pas cohérent que si tu as blindage crânien sur la banlist tu laisses pas la version améliorée de blindage ouais. crânien dans le format et que tu viens de bannir un truc qui fait un peu la même chose ouais, ouais. bon bah logique un peu le même argument que pour euh, Ragavan et Zurgo quoi Ouais, bah les joueurs en fait de Popper disaient ⁇ Ah, ouais, je peux plus jouer U White Affinity comme ça ⁇ bah, je repasse sur Grixis avec ça. Donc au ouais, lieu d'avoir ouais. pas de kill, j'ai un meilleur deck plus solide avec un gros kill. Oui, non, mais c'est... Bah, du coup, non. C'est cohérent d'avoir euh, banni ça euh, rapidement aussi. Du coup, c'est non. Euh, en parlant un petit peu de Magic, sa transition ouais, réservé de liste une transition exceptionnelle, on va parler de la collection dans Magic, euh, alors j'ai pas d'exemple à, à vous donner, c'est plutôt un sentiment que les gens une, ont une et que, que les groupes de collectionneurs voilà, ce, ce dont parlent les groupes de collectionneurs notamment les groupes de collectionneurs euh, vintage, moi on m'en a parlé sur mon chat Twitch, il y aurait pour la première fois depuis belle une tendance un peu à la décote des cartes de réservé de liste euh, les cartes de réservé, de zé, réservé de Liste, non, je ne de pas de parler. C'est euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, des cartes qui ont été euh, euh, annoncées par Wizard of the Coast comme non réimprimables. Mm. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur, entre guillemets, spéculative sur ces cartes qui est assez élevée, parce que comme elles ne peuvent être jamais réimprimées, forcément les gens qui y ont accès, bah, il y a une population qui est limitée, définie, avec forcément plus de joueurs qui arrivent dans le jeu, donc une, offre grande, une demande grandissante et une oui. offre qui ne sera jamais... Euh, reproposé par Wizard of the Coast et donc toutes ces cartes-là n'ont cessé d'augmenter et de monter au fil euh, du temps avec la hype Pokémon, le Covid et compagnie, les cartes de la réserve de liste ont explosé au même titre que la plupart des, des TCG donc ça a créé des bulles un petit peu spéculatives et là pour la première fois on commence à avoir ou une stabilisation de, de cette économie-là entre guillemets et donc avec une petite baisse des prix pour arriver à ce qu'on appelle une correction mmh. euh, du, du, du marché. marché, ou alors tout simplement l'effondrement des prix des cartes de réservé de liste. Je n'ai pas du tout de connaissances mmh. là-dedans, donc je ne saurais pas. Ce qui donnerait raison, entre guillemets, Wizard, de euh, bon bah il n'y a pas besoin de réimprimer puisque les prix baissent le principal problème, au-delà de la qualité des cartes, c'est la... le, le prix. le prix des cartes pour certains formats, notamment comme le Commander et le Duel Commander. Duel Commander, ouais, c'est pratique, moi, si je, ça baisse. Moi, je suis toujours team, bah, juste les ces cartes-là en Duel Commander et il n'y aura pas de problème et mmh. ça ne fera pas baisser leur valeur parce que c'est une valeur spéculative de collectionneur. Ouais, ouais. Et donc, les gens qui les avaient en Duel Commander les revendront, ils n'auront pas perdu d'argent, ils achèteront même d'autres decks. Tu mmh. vois, avec. Mais bon, ce n'est un... pas le sujet du, du débat ici. Je me demande aussi euh, vu, le, vu que le Legacy et le Vintage, c'est vraiment des formats de niche qui sont... Euh, il y aura toujours des gros tournois dessus, mais très rares. Euh, on les connaît, les tournois chaque année et tout, et c'est plutôt sur MTGO maintenant. Ouais. Je me demande si avec la nouvelle euh, extension MH3, il y a beaucoup de cartes de Legacy qui sont euh, légales maintenant en moderne, ouais. ou alors qui ont une version moderne, pour pas être trop puissante. Beaucoup, les deux. Est-ce qu'il n'y a pas du coup un... Une exode, on va dire, de joueurs euh, legacy ou, ou vintage vers le moderne en mode bon bah le format ressemble plus à ce que j'aime okay. à ce que je jouais. une revente en masse. Et du coup, les cartes qui sont pas légales, donc énormément de réservé de listes, on les revend euh, sur le. Bah, c'est peut-être euh, financer un, le, un, la nouvelle c'est Un sais. mix de facteurs qui fait qu'effectivement on commence à avoir une décote sur ces. Et il faut savoir mm. qu'une décote dans les cartes de réservé de listes, c'est bizarre pour les gens. Ouais. C'est ce qu'on appelait une valeur un peu sûre. T'achetais ton bilan, il ne perdait pas un euro, voire il ne faisait que monter au, au fil du temps. Et donc, peut-être que même ça fait paniquer. Tu sais, tu as des effets un peu... Euh, je ne sais pas, la carte, elle perd 10 euros. Du coup, tout le monde revend. Et ouais. Du coup, la carte, elle continue, entre guillemets, elle bah part, ouais. à perdre un petit peu par des, des effets de panique. Comme les actions. Hein. Comme ça baisse, tu as peur que ça baisse trop, donc tu vends et, ça. et après, ça remonte et tu te dis, merde, dommage. Donc, je ne sais pas où ça va. Je sais pas ce que ça raconte de Wizard. Par mm. contre, enfin en tout cas, de l'état de santé de Magic... C'est qu'en ce moment Magic, ça va pas non plus de, 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 très, très très bien à tous les niveaux. Et ça, bah, ça vient rajouter un petit peu de, 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 de surplus là-dessus. Par contre, à, à contrario, on a en parallèle les cartes numérotées mm -hmm. qui sont apparues, je crois, il y a trois ans euh, dans l'écosystème de, de Magic à peu près. Les Boosters Collector c'était en 2019. Je dirais que les premières numérotées, ça devait être 2021, quelque chose comme ça. Mmh, euh... C'était pas avec un set Ravnica les premiers numérotées Non, je sais plus. Je sais pas, mais je dirais, allez, au doigt mouillé comme ça, 2-3 euh, ans. Ouais. Et ces cartes-là, notamment nous en Europe, vraiment. Ah je... non, c'est Brothers euh, Brothers euh, merde la, la Guerre des Frères, là. Gare la Guerre fratricide. C'est la Je crois que c'est ça où il y avait les artefacts dans une édition spéciale et numérotée. Ouais, c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois, donc ça fait ans, alors. un an. C'est l'année dernière. Ça fait un peu plus loin. C'était euh, novembre 2022. Donc, il a ça a jamais fait... eu de numéroter. Ça fait un an et demi, ouais. Il me semble que c'est ça, ouais, l'apparition des numérotés. Okay, D'accord. Bon, dans ce cas-là, ça ne fait même pas trois ans. Et donc, à contrario, ces cartes-là qui, en Europe, nous, euh, nous a euh, globalement pas trop intéressé. Mm. Je connais peu de gens qui les collectionnent. Quand je vois les decks des gens, je vois personne qui joue avec des numérotés. Euh, quand tu vois notamment la population de ces cartes-là, leur rareté et les prix sur Card Market, ça n'a jamais été trop élevé. Euh, par contre, nous, quand on était à Chicago, les boutiques américaines avaient vraiment que ça de la numéroté. Il y avait ouais. énormément de numéroté. Et on sentait déjà qu'il y avait un engouement aux États-Unis pour la numéroté. Et ça y est, les cartes numérotées sont en hausse en termes de prix. Et j'ai l'impression qu'il y a un switch en gros de... Les anciens collectionneurs quittent un peu le navire de Magic, mmh. revendent les cartes de réservé de liste. Et par contre, tous les nouveaux entrants, parce que Magic fait beaucoup d'acquisitions, brasse très large et a un énorme nouveau public. Ben, commence à s'intéresser à la collection, sauf que ces gens-là, ces nouveaux entrants, s'en foutent d'aller chercher un bilan de legacy, tu vois. En tout cas pour la collection, ou où... le bilan de legacy pas forcément le meilleur exemple parce que lui il est utile au jeu. Mais il y a mmh. des cartes de réservé de liste qui sont seulement des cartes de collection, ouais. euh, avec lesquelles tu joues pas. Et je pense que ces nouveaux entrants là, n'ayant pas cette culture, cette nostalgie, cette envie d'avoir les cartes là, ben, vont pas du tout se positionner sur ça. Par contre se positionnent sur les cartes numérotées. Peut-être ouais. Et donc on commence à avoir euh, des, des, des vrais prix et un vrai intérêt pour la collection récente de Magic et nous ça fait longtemps avec Pelle qu'on parle de ça euh, Magic a voulu surfer un peu sur Pokémon mmh. avec l'arrivée des boosters collector euh, créer vraiment une volonté de collectionner au-delà du fait de jouer avant à Magic tu pouvais jouer et pimper c'est-à-dire pimper tes cartes de jeu mais personne collectionnait pur et dur tu vois Ouais, c'était euh, un truc qui se faisait beaucoup avant c'était plutôt marginal voilà. genre les full sets euh, enfin euh. exactement. et je pense qu'ils ont vraiment voulu avoir ce truc de bah non nous aussi vous pouvez collectionner nos cartes regardez, on fait des texturettes folles du galaxy folle, on fait des numérotés des trucs qui ont une vraie valeur un peu luxueuse à la Pokémon et on avait un peu l'impression qu'ils se prenaient le pied dans le tapis et qu'ils essayaient de simuler euh, ou de, ouais, de, de ressembler à Pokémon et en vrai que ça leur allait pas trop tu vois enfin genre cherche pas trop ça à magic. Ouais, un peu le truc de regarder regardez on fait un peu comme eux ouais, euh, mais ouais, avec ouais. notre pâte etc raté quoi. Et bah, peut-être que ça y est ils arrivent un peu. Euh, ouais. Je pense que on aussi, commence à avoir les fruits entre guillemets de ce truc là tu vois. Ouais ouais. Euh, je pense qu'il y a, si c'est effectivement il y a un an et demi si je me trompe pas il y a le truc de t'as le recul maintenant du marché donc ça fait un certain temps que ça c'est dans la nature qu'est-ce qui se passe. Ouais. Il y a de moins en moins de numéroté par extension. Ouais. Notamment on voit avec MH3, c'est un il y a set 3 de numérotés fou. à 250 exemplaires. Il n'y a que 3 cartes numérotées, donc rare. il y a 750 numérotées dans le monde, euh, dans n'importe quel booster, donc c'est déjà très peu. Et en plus de ça, elles ne seront pas toutes ouvertes. Pas, il y en a 750 euh, quelque part euh, dans les classeurs euh, ou en vente. Ah oui, il y en a qui seront toujours fermées. Dans chaque extension, euh, peu importe combien il y en a euh, en vente, enfin, en, euh, comment ça s'appelle euh, Obtenable, euh, il n'y a pas tout qui va être euh, obtenu. Parce mmh. qu'il y a une certaine partie qui va rester dans des étals, dans un booster random à Cultura, euh, dans une snack, peu importe. Genre, il y a toujours des numérotés qui seront cachées. Donc s'il y en a de moins en moins, et qu'en plus c'est sur des volumes énormes comme MH3, ouais. ça veut dire que c'est encore plus rare la numéroté. Donc si tu te positionnes, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah, j'aimerais ces numérotés, elles sont inaccessibles, trop chères ». Là, c'est genre... Euh, je crois que les premiers prix, je ne sais même pas s'il y en a en vente, mais ça doit être 2000, 3000 euros. Pour Cosilec, et... Les... Ouais, ouais c'est aux alentours de 2000 euros. 2000 euros, donc c'est délirant. Enfin, c'est délirant. Je comprends le prix, mais... Je veux dire, c'est des, Au gros regard gros des TCG, collectionneurs... On regarde les collectionneurs... je trouve pas ça si élevé. ouais mais c'est des gros collectionneurs qui ont les oui, moyens qui font bien ça. Bien sûr. Est pas, Tout est délirant dès lors qu'on ramène ça à du carton. Je bien parle sûr. En comparant euh, aux games de collection des autres TCG Oui, oui, c'est pas nouveau euh, dans la collection. Oui. Mais pour Magic, c'est assez nouveau. Donc, je me dis, quand ils voient ça, les gens, ils se disent Ah, mais j'aimerais bien ma numérotée. Euh, moi, typiquement, moi bah, j'aime J'aurais pas ça, euh, très clairement. sauf si Mais euh, j'ai un petit truc qui nourrit, euh, que je nourris de plus en plus, c'est d'avoir un divisé de 5 couleurs, carte que j'aime beaucoup, euh, en numéroté. Ouais, ouais. Celle qui fait piocher des cartes. Pour avoir ton commandant en numéroté. Voilà, pour l'avoir en commandant. Et je me dis ça, c'est 300, 350 euros. C'est une belle somme. Et belle quand chose. je vois le prix des numérotés maintenant, ça m'a l'air plus accessible. De me dire à un moment donné, peut-être que je peux me faire un plaisir si je joue ce commandant. Ouais. C'est une carte que je peux obtenir. Et c'est fou parce qu'à Magic, ça me paraît être un prix délirant, 350 euros. Ouais, alors une que moi, 2 euros. Quand j'ai collectionné euh, euh, du Pokémon, bah, 350 euros, c'est à peu près régulier pour une très belle alternative ouais. d'un Pokémon de première génération. Et raisonner à l'équilibre de Pokémon, bon, 350 euros, c'est pas si cher, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, c'est si, un peu bizarre, t'as cher, mais bah c'est ouais. pour Magic, on n'est pas habitué à ça. Et bien bah peut-être qu'à force de nous avoir biberonné au collector depuis 5 ans, ça y est, on commence à avoir ce, à avoir ce truc, nous les joueurs, en tout cas les nouveaux entrants euh, mmh. arrivent avec ce truc-là en mode, euh, non, non, bah les collectors c'est bien, les cartes numérotées c'est cool, les nouvelles textures ça... Il y a des gens qui collectionnent, moi je connais des mmh. gars qui collectionnent de, des, du multi-TCG, notamment bah, les bangers un peu de chaque TCG. Et qui collectionne les confettis foils mmh. de, euh, Eldraine, de Eldraine. Hein. Magnifique. Parce que c'est parce que très très beau. Et, euh, et en même temps, je trouve ça cool finalement qu'il y ait des gens qui puissent juste collectionner aussi du Magic. C'est un jeu qui est beau. Il y a des illustrateurs qui ont du talent. Il euh, n'y a pas de raison qu'on collectionne mmh. des Marvel à Flesh and Blood et pas, euh, mmh. et pas des confetti foils à, à Magic. Donc euh, c'est donc pas si mal que, que ce qu'on trouvait un peu bizarre à la base euh, finisse par. Euh, Ouais. Par fonctionner chez, chez Wizard. Après, est-ce que c'est lié au fait que la réservée de liste baisse un peu Alors, attention, de ce qu'on m'a dit, ça se casse pas la gueule. Juste, c'est la première fois qu'on note une baisse. Mm. Voilà, je ne sais pas exactement ce que ça raconte. S'il y a des gens qui ont plus d'informations là-dessus, qui suivent plus ces marchés-là, je suis très en dehors de, euh, de la collection vintage de Magic. Mm. Mais dites-nous, voilà, si vous avez d'autres explications que ce qu'on a essayé, nous, de théoriser. Quoi. Ouais. Euh, en parlant de.. Je pas de transition. Proto Amsterdam. En parlant de cartes magiques. Ah en hein. parlant de cartes Magic. Proto le Amsterdam, Amsterdam, ouais. end prochain Quand il regarde. Non, encore après. Non, c'est la semaine pro. Non. Ah bon Ouais. Attends. C'est genre le 26 juin, je crois. Dans deux semaines. C'est du 21 au 23, donc c'est la semaine pro. T'es sûr Ah oui. Attends, non. moi j'ai noté du. 21, attends. Pour moi, c'est la semaine d'après, c'est fin juin. Ah, c'est du 28 au 30 ouais. Du, 20... ouais. du 28 oui. au 30 Oui, c'est ça. Ouais, c'est quasi sûr. Putain, tu m'as fait peur. T'es sûr de toi ou pas ah, Parce que là, tu me fais une frayeur. Hein. Ah, oui, on rentre le 1er juillet, exact. Ah, c'est bon. Voilà, t'as raison, t'as raison. C'est dans deux semaines. Pour mon anniversaire, d'ailleurs. Pour ton anniversaire, ouais. oui. Bah, sur mon calendrier, est écrit séjour. Séjour, vol fou. Euh, ouais, voilà. Ok. Non, c'est bon, tu m'as fait peur, putain. Je me suis dit, là, je suis pas prêt à partir, moi. Ah, mais du coup, euh, on aura un podcast avant Du coup, on aura probablement un podcast juste avant, ouais. la 12. Euh, on va avoir du mal. Avoir wow. Un podcast avant. Mais on va essayer. On verra. On verra, on verra. Ok, ok. Ah ben non, le podcast va sortir pendant. En fait, le. Prochain. Il va sortir pendant, mais ça veut dire que nous on aura dû le tourner avant, monter avant, sachant qu'on parle mercredi. Ce qui est pas facile. Il sera décalé. Je pense que c'est la première fois qu'on va louper un podcast. Mais ben en fait, c'est pas grave, on en aura fait 10 d'affilée. On va le décaler pour pouvoir parler de m 3 ouais, ouais. fin du pro tour. Là, c'est trois semaines sans podcast après celui-là. Bref, dans euh, deux semaines du coup. Euh, oui, c'est ça. C'est bon. Deux semaines. Excusez-nous. Ah, si, si c'est dans deux semaines. Si, oh, si je te le dis. Si, c'est bon. Dans bon, deux semaines, je euh, sais. Pro Tour à Amsterdam, Pro Tour MH3. Ouais. Draft MH3 au programme et moderne, évidemment. Ouais, euh, donc, le... Mais ça va être des Trois rondes de ça, 3 rondes, euh, 5 rondes de moderne. Le vendredi et le samedi. Et le dimanche, top 8 en moderne. Avec les nouveaux decks, avec le jus, avec l'élixir, l'exilir même, de ce qu'on peut faire de mieux en termes de joueurs pro et de euh, decks. De ouais. Nouveau brou. Enfin, ça va être trop bien. Ah, mais c'est sûr. J'espère. Les Nadu, euh, les decks Phoenix avec Buried de Live, euh, les decks Tamiyo Murtide, mm. euh... les decks Lord of the Ring thématiques. Peut-être. Peut-être. Non, franchement, il va y avoir beaucoup de... En tout cas, là, moi, je regarde Twitter, il y a mm. plein de brou qui passent en le 3. Il y a eh plein ouais. de trucs sympas. Plein de bons jus, très très hâte. Euh, du coup, comme c'est en Europe, ce sera à des heures normales. Ouais, c'est cool. Donc, ce sera en journée. Euh, logiquement, euh, ça devrait commencer à 11h. On vous redira parce qu'on n'a pas les heures encore. Ça devrait commencer à 11h. Euh, pour le vendredi et samedi et à 10h le dimanche et ça devrait finir entre 18h et 20h le vendredi samedi et 17h à peu près le dimanche ça dépend de la vitesse des games voire même un peu plus tôt ça sera trop bien, nous on n'aura pas le décalage horaire donc on sera en mmh. pleine forme on à l'aller et au retour frais. et vous pourrez nous suivre toute la journée ce sera quand même vachement plus simple que de finir oui. 3h du mat et si vous participez euh, au enfin pas au retour Tour mais euh à la Code, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou ou quoi. Bien on évidemment, sera on, souvent, on sera en temps de pose, on, garde, sera au stand garde. Euh, ouais. on va essayer de s'alterner aussi. Donc, du coup, on, on se baladera dans la conve, on sera là, avec les petits tokens d'ailleurs, euh, trésors et nourriture, si jamais euh, vous n'en avez pas, que vous voulez en récupérer, on peut vous les signer et vous les euh, transmettre pendant la conve. Oui. Ça nous fait plaisir, c'est un cadeau qu'on fait à notre communauté quand on se déplace, tous les magiciens français qui sont à Amsterdam. Pas assez dire bonjour, on est, euh, on est aussi présent sur ces événements-là pour rencontrer la communauté. quoi. Mais oui. Et donc, pourquoi on sera sur place Parce que c'est vrai qu'on fait comme si tout le monde savait, mais il y a peut-être des gens qui nous découvrent aussi. En fait, on oui. est casteur officiel français pour euh, Wizard of the Coast. On caste les protos, en tout cas, on les recaste. On prend le flux euh, des Américains et nous, le on, le, flux. on le et traduit euh, en français pour, euh, pour vous. On aura probablement pas mal de guests sur place qui viendront commenter avec, avec nous. Et peut-être. Et, et ça va être délicieux, quoi. Donc, euh, ouais, tu le disais, euh, Modern Horizon 3. Moi, c'est double effet qui se coule parce que le moderne, mmh. c'est un de mes formats préférés. Mmh. Et en plus, pour une fois, je serais pertinent à parler de l'imité parce que j'en ai un peu fait et que je le connaîtrais. Et t'en en aurais peut-être fait en plus. Euh, et j'en aurais peut-être fait de mon côté. Entre -temps. Donc ouais. euh, vraiment, ça va être très, très cool. Je ne serai pas que casteur construit. Je pourrais peut-être caster un peu de l'imité, ce qui n'est pas plus mal. Il me régale. Très hâte. Très, très ouais. hâte de voir ça. Ça va être délicieux. Yep. Hey, petit cut incroyable. Pourquoi Parce que le son a bugué. Les micros sont tout simplement tombé en rade pendant qu'on faisait le petit jeu. Ouais, malheureusement. Du coup, euh, on va pas rejouer le petit jeu, refaire les mêmes blagues ou quoi. On a préféré le remettre à une autre fois. Donc c'est la fin de ce podcast. Mais vous aurez évidemment le petit jeu de Val MTG pour le prochain. Ouais, ce sera le sûr. même. Mais bon là, c'est vrai que refaire genre, c'était pas ouf. Donc on s'est dit, tant ouais. pis, les micros, ils ont bugué, pile au moment du jeu. Euh, en gros, ils n'avaient plus de batterie. Encore heureux que ça euh... a coupé que pendant le quiz, parce que sinon on aurait dû refaire les séquences et ouais. parler de l'actualité. Mais pour le quiz, on chiant, vous le décale juste à la prochaine fois. Désolé pour ce petit. Exact. contre et, euh, et du coup, voilà, c'est la fin pour cette première partie. On se retrouve dans la deuxième partie multi-TCG sur la chaîne Valet PL TV Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, à aller y faire, à jeter une oreille, du coup. Oui, bien sûr. Jeter une oreille pour écouter vos allez vous abonner là-bas. Comme ça, vous avez tous les podcasts. Vous avez et ça tout. vous permet de varier vos, vos plaisirs, bien évidemment. Merci Exactement. à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas. C'était la, la belle magie. magie. À toutes.